Bonjour à tous et à toutes, je suis Alus et bienvenue pour la fin du chapitre 2 qui sera montré intégralement, je ne sais pas combien de temps ça va durer, sur Neverwinter Nights, Halls of the Underdark, session enregistrée directement après la dernière que vous avez regardée. Ceci va être la fin donc du chapitre 2, sachant que je viens de voir le chapitre 3 est un petit peu plus court dans le sens où il y a environ 1 heure ou 2 heures de jeu de moins. Bref, là c'est la bataille finale qui va se dérouler en deux phases. Je remets juste ça ainsi que la carte. Sachant que ça va être une partie ici et une partie là. Voilà, je vous le dis. Donc du coup, on va essayer de la jouer comme stratégique. Oh, je vais laisser le game mode dans le doute. Hein, parce que bon, c'est pas parce que c'est moche. Et donc du coup, je sais pas comment ça va se passer. Je vais donc faire une petite sauvegarde et on y va dans 3, 2, 1 et go! Bienvenue. Allez, défendre la tour intérieure gauche avec ton unité. Toi, tu vas défendre Quel plaisir. la porte intérieure. Et toi, et lui, toi, ça rame du cul, je suis désolé. Tu vas défendre la tour extérieure droite. Go, go, go Power Rangers. Les portes, on va pas les ouvrir. Voilà. Et il y a 4 clampins. Voilà. Et donc si j'ouvre la porte, il se passe quoi? Ok, c'est verrouillé. Alors où ils sont? Où ils sont les petits bâtards? Là, je crois qu'il manque quelqu'un. Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Quel plaisir. Porte extérieure, changement de plan. Changement de plan, allez go 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 go. Alors ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Tiens. Sachant que j'ai une... Ah j'ai un héros de guerre, oui c'est le... C'est le commandant colonel. C'est le colonel Connor. Bon, je crois que, je crois qu'on va attendre. Eh ben, on va attendre. Alors, hein, quoi, alors, vous allez voir mes capacités de. Ah, on me dit que l'armée commence à arriver. Donc, ils doivent être par ici, je pense. Nous allons donc voir cela. Si je peux monter. Ouais, bah oui, je peux monter par là, c'est vrai. Allez, attention. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Non, Nick. Je vais me faire foutre. Bon. Bon. Et moi, j'y crois. Est-ce que vous y croyez? Ah, ils sont presque là. Attention. On freeze. On ne bouge plus. On ne fait plus rien. Moi, je suis prêt. Je vais essayer de les faire legit. Ah, ils sont où? Ils sont où, putain? Ils sont où? Ils sont où? Moi, je les entends, hein, mais ils sont où? Ils sont où? Bienvenue. Mais... Alors, où ils sont? Les mecs? Non mais, le jeu. Tu veux me faire passer un message comme la dernière fois? Le jeu veut me faire passer un message comme la dernière fois. Alors, ça rame, je pense que... Ah, peut-être que... Non, de ce côté, sûrement. Non. Ouais, regardez, c'est étendu, c'est notre combat! Ah, ils sont là. Ah, ça y est. J'ai perdu? Non. Non. Ah, ça y est, c'est cinématique.
Ah mais c'est les armées que j'ai conviées, que j'ai recrutées. Je crois que j'en ai recruté 2 sur les 5 disponibles. Les golems. Ouais. Mes potes, les golems d'acier. Je crois que c'est d'acier, oui. Ou de métal. Et ah, ils sont où? Ils sont là-bas. Ah, attaque! Casser le cul! Ah bah non, je peux pas. Tireur d'élite, rebelle droit. Alors là, je ne peux que voir. Ah! Eh! Pendant ce temps. Ouais, c'était rapide! C'est parce quoi? Oh! 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 Des démons! Qui sont putain. Ah! Ah! Je sais pas où je suis! Ah! Je suis perdu! Putain, mais au secours! J'ai rien compris de ce qui s'est passé! Quoi? Mais où, merde? Ouais. Alors, par contre, ça c'était à quel moment? Ah, bah oui, mais non, j'ai remis les signes. Qui a ouvert les portes? Qui a eu l'idée de merde d'ouvrir ces portes à la con? Alors, attendez, il faut que je meure. Ah, ouais, par contre, le jeu il est en train de me péter les biens de masse, par contre, en faisant ça. Le jeu, tu es en train de me... Ah oui, voilà, c'est là qu'ils étaient, les démons. Bon. Eh ben, on n'a plus qu'à attendre. Les défenses sont-elles en place ? Allez. Ah bah. Ok. Bon. Oui. Cinématique. Que je ne peux pas passer. Je peux pas passer ? Non. Non, je peux vraiment pas passer. Donc on va revoir l'arrivée sur cette musique plutôt épique. T'es qui toi déjà? Très belle musique en tout cas. Même si elle n'apparaît que 20 secondes dans tout le jeu. Voilà, donc là. Alors, ils sont où les connards? Ils sont derrière, d'accord. D'accord. Monsieur, vous ne passerez pas la porte. Alors, on va aller vite quand même. Voilà, donc là, les démons qui sont derrière moi ressemblent à des magnifiques démons. Pendant que ça charge, par contre, le combat continue. Je ne sais pas où je suis, par contre, ce serait bien de Merci, excuse-moi. Vous mourrez, oui. Au cœur de la bataille. Au cœur de la bataille, mon gars. Admirez ce combat de toute beauté. Putain, mais il y en a partout. Ah mais non, mais c'est leur armée, d'accord. Voilà, non mais on avance vite, écoutez. Hein. Moi je... Il y a un moment, je vous jure qu'on aura un vrai combat. Lequel sera le vrai? Je ne sais pas.
Ah merde, non, mais là c'est tous mes potes. Donc. Par contre, je peux pas bouger. Je peux. Ah. Ah, au secours, le jeu. Ah non, c'est bon. Ok. Yeah. Ouais, d'accord. Oh. Cinématique. Donc ça, c'est la phase 2. C'est la phase 2. Du coup, sauvegarde. La rivière, elle est. Elle est là-bas. Donc, voilà, ma touche, s'il vous plaît. Vas-y, pendant que j'en suis le plus grand nombre. Voilà. Moi, je fais du tir au pigeon. Est-ce qu'on perd un petit peu toute l'intensité du combat? Sans doute. Voilà, je pense que c'est bon. Maintenant, on va faire le tri. Alors. Allez. Bon bah Likin est... Likin. Non. C'est surtout là-dedans qu'il va falloir repérer. C'est là, c'est l'intervention divine, messieurs. Ne posez pas de questions. Ah, toi tu t'appelles Natria. Voilà. C'était un combat intéressant. LOL. MDR débarre. Alors. Ouais, alors excuse-moi. Excuse-moi, juste, voilà. Votre modestie n'a d'égal que votre courage. Mais malgré tout ce que vous avez accompli, votre courage. Ah. L'ennemi s'est retiré de l'île Miata, mais doit préparer une. Mais attendez. Non. Vous entendez? J'entends. Oui. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais c'est des grosses bébêtes. C'est des très grosses bébêtes. Miam, miam, miam. Regarde. Incroyable mouvement de caméra alors que Dikin est au milieu. Un effet dramatique, sans doute. Et voulu par le jeu. On peut lui reconnaître ceci, ainsi que la que les Cthulhu que je t'ai censé tuer, ainsi que les Cthulhuliens. Oui. Ah merde, mais je me suis foutu tout le monde à dos. Je crois que j'ai merdé sur quelque chose. J'ai dû tuer un mec. J'ai pas tué un mec par hasard qui était dans la... Je crois que je...
Ah, j'ai dû faire une connerie. Encore. Ce genre d'action est très fréquente. Je suis mort. Comment, pourquoi, quiche, qu'entends, je ne sais pas. LOL MD. Oh, c'est compliqué la vie. Sortons de la mienne. Ah, voilà, c'est... C'était... oui. Alors, on en a à quel chapitre? On en a à quel chapitre? Ah, mais merde. Ah, putain, je recommence loin. Ok, bon, bah, petite ellipse, hein, et puis je vous retrouve, bah, quand c'est le bon moment. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc là, c'est bon. Là, il n'y a pas de problème. Je suis l'ennemi de aucun drôle, rebelle, tout ça. C'est juste que j'avais complètement fait n'importe quoi. Donc on va avancer lentement. Voilà. Et là, bah, on y va tranquillou. Faut juste que je sauvegarde régulièrement. Voilà. La puissance divine. Que j'avance un peu plus, que je ne fasse pas pause. Voilà, bah voilà, c'est tout. Il y avait zéro problème, rien de bien grave. Alors ensuite c'était voilà. Et encore une fois, confirme, nous devons conserver l'avantage avant que l'ennemi se reprenne. Vous devez conduire nos forces sur la forteresse. Ok, et ben go hors de la forteresse. Ok. Cinématique, là je pense que ça va être plein de cinématiques. Ah, on va voir un petit. Je crois qu'il y a un petit problème. La bataille se passe bien, mon ami. Avec votre aide, nous gagnons. La forteresse de la Valcharès se trouve devant nous. Nous devons la prendre. Pour mettre fin à sa tyrannie. Je crois qu'il y a un petit problème avec ton corps. Et... Disparu. Ah. Oh non, c'est impossible. J'étais caché derrière ton corps, là, l'MDR. Oui, disparu. Et lol. Il semblerait que la créature soit encore avec les rebelles et qu'elle se rapproche de la forteresse. Bien. Utilisez vos pouvoirs, Méphistophélès. Amenez-moi la créature. Je vais mettre fin à cette menace une bonne fois pour toutes. Vous avez tort, démon. Rien ne m'arrêtera. Comme il vous plaira, grande Valcharès. Trouvons, vermine. En chair et en os, cette fois. Ah. Oh là là là. Vous êtes dans ma forteresse, bien sûr. Grâce au pouvoir de l'archidiable qui est à mon service. Vous êtes désormais mon hôte. Et mon otage. Ouais. Mais c'est déjà fait. Si vous ne me croyez pas, venez. Approchez, si vous l'osez. Ah, mais j'ose. Ah. Voyez-vous cela? L'archidiable Méphistophélès vous a emprisonné avec son pouvoir. Son pouvoir qui est à mes ordres, car je l'ai emprisonné. Il est mon chien en laisse. Et avec lui, je deviendrai une déesse. Méphistophélès, montrez à cette créature de la surface ce qu'est la véritable douleur. Donnez-lui une mort lente et atroce. Je regarderai pour ma distraction. Je ne ferai pas votre volonté, grande Valcharès. Je vais plutôt tuer vos précieuses sœurs rouges. Oh mon dieu! Quelle révélation de ouf, que dans quel twist! Que faites-vous? Je vous ordonne d'arrêter immédiatement.
ne pouvez pas désobéir. Vous êtes une simple mortelle d'en haut, comme les autres. Vous ignorez les pouvoirs auxquels vous avez affaire. Payez-en le prix. Et c'est le combat. Je crois. Oui. Non. Oui. Et c'est le combat contre la Valchares. 1v1. 0. 0. Là, je... C'est parti. On est parti pour s'ennuyer. Là, le combat, je le fais legit. Alors, comme vous le voyez, gros combat. Je me débrouille, hein, voyez-vous, c'est fou. Ah mon dieu, 13 de dégâts. Je me prends la... Alors j'ai un max de potions de guérison suprême, hein, ça. Voilà. Un combat incroyable, hein, je... Alors, malus. Je vois absolument pas le problème. Ah mon dieu, la double peinée. Et je brûle. Du coup. Voilà. Pour l'instant, tout va bien. Écoutez. Oui. Non. Oh mon dieu, elle est à peine blessée avec une potion. Ah, on me fait signe que je peux utiliser un objet. On me fait signe que je peux utiliser un objet. L'utiliser. J'ai utilisé le pouvoir. Qui fait que... Alors, Ah, des zones d'anti-magie. Oh! Intéressant. Donc elle s'est soignée. Dégâts. Oui. Heureusement que j'en ai juste 200. Ah putain, mais quel grand combat. J'hésite à appuyer sur la touche Y. Mais non, je pense que je vais vous laisser ça. Hein. Grand combat. Regardez, je lui mets à peine blessé. Du coup, potion. Elle me met juste des 40 et 30 de dégâts, mais qu'importe. Mais qu'importe, hein, écoutez. Zone d'anti-magie, on est d'accord quand même. On est d'accord, ouais. Là, ce qu'il utilise, c'est de la magie. Elle est où? Non, je sais pas. Ah, non, c'est moi qui bougeais. Non, je réfléchis là. Bon. Bon, oh mon dieu, elle attaque avec son fouet. Regardez. Grand combat. Moi, j'avoue que... Ah, saignement. Bon, je vais mourir. Est-ce que j'ai sauvegardé? Ah, je crois pas. Je sais pas si j'ai sauvegardé. J'ai sauvegardé au début. Du coup, on va revenir voir si la technique qui est la suivante. Regardez bien. Je sauvegarde la partie, je la charge. Voir si cette technique fonctionne encore sur cette extension. Et elle marche pas du tout. Donc, au revoir la Valchares. Grand combat, j'espère que vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, commente, bonjour, tu es beau, oh tu es tellement beau Mephistopheles, archi diable. Et la voilà morte, vous
Vous avez bien agi, créature mortelle. En effet, mais il y a des règles et d'autres plus anciennes auxquelles je dois obéir. Toutes sont plus fortes que les entraves que cette folle avait posées sur moi. Elle n'en savait rien. Elle m'avait invoqué, mais m'ordonné de tuer celui qui était une extension de moi. C'était au-delà de ses pouvoirs. Mais de vous, créature, depuis que vous avez trouvé ma relique dans le plan des ombres, nous sommes tous les deux liés. Étrange coïncidence à mes yeux. Est-ce là le nom que vous lui donnez? Cette relique est un morceau de ma propre chair, donné au chef de mes prêtres sur ce plan. Mais elle devait sans doute mourir. Grâce à elle, je vous ai convoqué ici, persuadé que votre pouvoir pourrait rivaliser avec celui de la Valcharès. Et j'avais raison. J'aime qu'un pari se déroule sans accroc. Je suis libre. Un grand seigneur des diables, capable de s'aventurer dans les plans matériels et d'apporter la souffrance. Je veux. Nul n'a le pouvoir de m'arrêter. Je commencerai normalement par vous. Mais puisque nous sommes liés, cela ne serait pas prudent. Au lieu de cela, je vais vous envoyer en un lieu. Quant à la relique, je vais la reprendre. Que l'enfer soit clément, que vous fûtes d'un résultat. Oui, bonjour, Faucheur, salut, comment vas-tu? Du coup, est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la fin? Non, je peux pas mettre sur Quick Save, si je mets sur Quick Save, écoute. Est-ce que c'est la fin? Chapitre 3, oui, c'est officiellement le chapitre 3, très bien! Eh bien, nous allons nous arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu, cette partie, en tout cas. Du coup, chapitre 3 et dernier chapitre de l'extension. J'espère qu'elle sera plus simple. Je l'espère, surtout. Merci d'avoir suivi donc cette fin de chapitre 2. J'espère que vous serez présent pour le dernier chapitre, le chapitre 3. Comme d'habitude, ton meilleur pouce bleu. Ton abonnement, ton commentaire si tu as des stratégies, ça serait très utile pour éviter que j'utilise à nouveau le game mode, enfin le debug mode. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour Neverwinter Nights, Horde of the Underdark.